Dire de lui que c'est un personnage gentil, c'est un personnage agréable, et de le rencontrer, c'est toujours un plaisir, surtout de parler de sa peinture, mais en partant de sa peinture aussi, de tous les voyages qu'il a fait dans le monde, que ça soit en Chine, en Bretagne, au Sahara, dont on retrouve au travers de sa peinture, de ses aquarelles, cette gentillesse, cette tranquillité, cette beauté de l'être humain. Alors moi j'ai des grands souvenirs de lui, disons, hein, de nos discussions. Et il a beaucoup peint aussi Genève, hein, mais beaucoup de gens ne savent pas qu'il a fait d'autres tableaux, d'autres peintures, comme il a fait de lui aussi. Il a commencé par ça. Et il y a quelques années, j'ai fait une plaquette avec ses tableaux, que 3 000 ou 6 000 exemplaires. Que l'on distribuait aux sportifs venant de l'étranger, qui étaient honorés, enchantés. Je suis sûr que dans de nombreux appartements de sportifs, ces reproductions doivent être encadrées. Je crois que c'est un signe important de cet homme. Une peinture à l'huile de ma première période en peinture, quelque chose de tout à fait dramatique qui représente le passage de la vie à la mort avec le soulagement de la souffrance quand la personne est décédée. Alors on la voit d'abord là, 2 jours avant la mort, une personne qui avait le cancer et qui souffrait énormément, et ensuite on la voit là, un jour après, les traits relâchés. Parce que la vie et la souffrance en même temps l'ont quitté. C'est une œuvre évidemment extrêmement triste et dramatique que je n'ai pas suivie par la suite. J'ai plus jamais fait quelque chose d'aussi triste parce que je crois que ce qu'il faut offrir aux gens, c'est quelque chose qui leur fait plaisir. S'ils doivent avoir ça devant les yeux tous les jours, il vaut mieux que ce soit une œuvre positive qui leur fasse du bien. Les sujets choisis. On peut dire, je ne peux pas faire une programmation à l'avance, dire la semaine prochaine, je vais faire tel ou tel sujet. C'est, je crois, essentiellement en fonction de ma disponibilité, de mon envie de peindre, et puis dans cette disponibilité que
je puisse tout d'un coup rencontrer un paysage dans un moment privilégié. Un paysage qui peut être extraordinairement beau à un certain moment, mais qui, le lendemain, n'a plus du tout le même intérêt. Soit parce que le soleil vient, il est beaucoup trop dur, ou alors il n'y a plus du tout la même ambiance, la même disposition des choses vues. Et la lumière est une magie formidable, parce que la lumière, avec un objet ou une personne, on peut la présenter avec 100 lumières différentes, ça aura un aspect 100 fois différent. Alors mon inspiration, elle mûrit comme ça, sans savoir pourquoi, simplement parce que j'ai un moment de disponibilité. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de voyages, parce que quand je quitte Genève, j'ai beaucoup plus de disponibilité dans mon esprit est libre, il n'y a pas de paperasse à faire. À l'hôtel, il y a le petit déjeuner qui est là. Après le petit déjeuner, je peux partir me balader avec mon chevalet, mes affaires à peindre, et puis explorer le paysage. Et puis à un moment donné, même en me promenant des fois pendant 3-4 heures de temps, il y a tout d'un coup un endroit qui me plaît beaucoup par sa distribution dans une surface donnée, qui est celle de ma feuille d'aquarelle. Je vois le paysage et je le vois déjà sur ma feuille d'aquarelle. Alors à ce moment-là, je me mets au travail, mais il faut aller très très vite. Et puis si j'ai la chance d'avoir une lumière d'aquarelle, c'est-à-dire, je dirais, cette lumière privilégiée pour l'aquarelle, j'essaye de fixer en mémoire cet instant-là. Et quand je me mets au travail, je ne m'occupe plus du changement. Parce que forcément, quand 2-3 heures de temps, le ciel change, les nuages passent, le soleil vient, il faut oublier tout ça et garder en mémoire uniquement l'instant privilégié, celui de la qualité lumière. Alors ça donne peut-être la naissance d'une bonne aquarelle, mais ce n'est pas évident, parce qu'après il y a le reste, il y a le travail manuel, le pinceau, la mémoire, l'esprit, et puis un petit peu de talent, quoi. Il y a 80% de travail et 20% de talent. Et ce talent, il faut aller chercher des fois. Il est enfoui sous la terre. C'est un peu comme une mine d'or. Il faut creuser pour trouver le talent. Il faut essayer de faire cette rencontre entre le moment disponible et le talent. Disons que j'ai beaucoup de mal à situer ma peinture par l'époque actuelle dans le domaine de l'art, parce que je ne fais pas partie d'un mouvement, je ne fais pas partie d'un consensus intellectuel. Donc j'avance, ma progression se fait par rapport à moi-même, par rapport à la nature. J'aime beaucoup la nature et j'aime bien qu'une aquarelle soit faite d'une manière spontanée, comme une écriture, et que cette aquarelle conserve un instant précieux présent, et que l'on ressente même dans une centaine d'années, en regardant la même aquarelle, qu'on ressente l'instant de sa création. Je fais une peinture qui est simple, spontanée, mais je n'ai pas la prétention non plus d'apporter quelque chose qui doit vraiment représenter mon époque. Ma peinture est intemporelle. C'est des instants vécus, des instants privilégiés, vécus maintenant, ou il y a 10 ans, ou il y a 30 ans. Mais je souhaite que ces instants vécus aujourd'hui seront reconnus plus tard comme étant des instants privilégiés, créés dans une époque où justement les tendances étaient très fortes. Actuellement, les tendances, justement, les mouvements sont très puissants par le fait justement des médias qui les présentent, et qu'on peut considérer comme étant la Bible de l'art quand on parle
une telle ou telle forme d'art actuelle et que cette manière d'en faire une Bible de l'art de l'époque actuelle est en plus cautionnée par les galeries, les musées et certains critiques d'art qui en parlent. Là, j'avais 3 ans, c'était en 1924. Et puis, en parcourant comme ça, là, je tombe sur une photo de ma mère. Je suis avec ma mère en 1927. J'avais 6 ans. Là, je trouve une photo qui avait été faite au bord du lac. Parce que je suis né aux eaux vives. Et alors, avec mes parents, on allait très souvent sur les quais au bord du lac. C'était à la fin de l'année 1926. Et sur cette photo-là, mon père m'avait déguisé en indien, c'est-à-dire plutôt en peau rouge. J'avais 8 ans à cette époque-là. Il avait trouvé des plumes d'aigle dans la montagne et puis il en avait fait une parure d'indien. Là, il y a une photo de l'atelier de mon père qui était peintre d'enseigne. Et on voit sa moto. C'était aussi à l'époque quand j'avais 8 ans. C'est assez intéressant parce que ça montre que dans une génération, on peut passer d'une moto qui a une courroie de transmission en cuir pour arriver au télescope Hubble. Là, c'est des photos de mon père dans la montagne parce qu'il était alpiniste. Il allait souvent au Mont Blanc. Là aussi, une photo de mon père en train de faire de la varaposalève. Et là, il y en a une autre, parce que je l'ai suivi un peu. Alors, en 1938, je faisais aussi de la varap. C'est une photo de l'artiste pendu dans le vide. Alors là, il y a une photo quand je suis en train de peindre dans le quartier de Saint-Gervais, en 1939. C'était un peu avant ma première exposition, j'avais 18 ans. Là, une photo à l'âge de 22 ans, en 1943. C'était l'époque où vraiment j'ai commencé à gagner ma vie difficilement avec l'aquarelle et où j'ai fait une première exposition en louant une salle au boulevard Georges Favon. J'avais repeint les murs, j'avais installé des spots et puis j'ai exposé pendant 3 semaines. Et je n'ai rien vendu jusqu'au jour où un critique d'art de la Tribune de Genève, qui s'appelait Jean Marteau, a fait ma première critique d'art dans la Tribune de Genève. Et l'article est sorti 3 jours avant la fin de l'exposition. Et les 2 derniers jours, j'ai enfin vendu quelques aquarelles. Et à ce moment-là, j'arrive presque pas à y croire, parce que depuis 1 mois, j'avais plein de sentiments en poche. Et je me relevais la nuit même pour toucher l'argent qui était sur la table, parce que chaque fois que je me réveillais, je pensais que j'avais rêvé. Je pensais pas que c'était la vérité d'avoir quelques billets sur la table. C'était les débuts difficiles. Là, il y a des photos de mon père, du côté de l'Aigre, parce qu'il est monté tout seul au sommet de l'Aigre. C'était en quelle année, ça, déjà? En 1934. Là, j'ai des photos de l'époque où j'aimais beaucoup aller au bord de la mer. J'allais souvent dans l'île de Porquerolles. Et puis, je m'étais bricolé un boîtier sous-marin pour faire des photos sous-marines avec une marmite en aluminium, un couvercle en aluminium et puis des brides en caoutchouc. Et puis, un système de déclenchement sur un appareil qui pouvait faire 16 photos de fil sans avoir besoin de tourner. Là, il y a une photo de mes chasses sous-marines de l'époque. Maintenant, j'en fais plus du tout. Parce que j'ai compris un jour que c'était un peu gratuit de tuer les poissons pour rien. Là, c'est une photo avec Claire Olivia, qui était une actrice qui a tourné dans un film qui s'appelait L'Auberge Rouge.
Elle était élue Miss Genève à cette époque-là, et puis c'était une amie que je connaissais depuis quelques années. Là, j'ai une photo de 1937. C'est une époque où je faisais l'acrobate cycliste aussi. Malheureusement, c'est la seule photo qui existe de cette époque-là. Ensuite, il y a une photo. Elle était prise en Corse. J'avais sorti un requin qui avait été tué par un pêcheur parce que le requin était en train de lui manger ses filets. Et puis il a jeté le requin à l'eau et puis j'ai été le chercher. Alors, voilà, c'était un petit peu quelque chose d'émotionnel à cette époque-là. Par contre, plus tard, alors j'ai photographié des requins vivants sous l'eau en Polynésie. Là, j'ai une photo quand je suis parti pendant 6 mois dans les îles Canaries en 1955. Alors, ma Vespa était chargée avec beaucoup de choses, tout pour faire le camping, pour faire la plongée sous-marine, pour faire la peinture aussi. J'avais tout ça sur mon scooter. J'ai fait beaucoup de voyages parce que les voyages m'ont toujours inspiré pour découvrir la nature et faire des nouvelles aquarelles dans des régions très différentes les unes des autres, comme par exemple le Sahara ou alors aux États-Unis, New York, ou encore dans la verticale, dans l'Himalaya, ou alors dans des régions de Chine, et d'autre part aussi en Polynésie, et puis les îles Maldives, les paysages sous-marins. J'ai toujours eu beaucoup de curiosité dans ces voyages. Et la plupart du temps, c'est des voyages totalement individuels. Par exemple, en Afrique noire, j'ai pu me promener pendant 3 mois et demi, en partant tous les matins sur les pistes et en revenant le soir. Si bien que de cette façon-là, on découvre le pays beaucoup mieux que quand on part en groupe, parce que même quand on est 3-4 personnes, dans ces pays-là, c'est comme si on était une colonie étrangère. En partant seul sur les pistes, on rencontre des gens, on voit des villages, on voit des scènes. Et à ce moment-là, on vit totalement dans le pays. En Égypte, c'était aussi une belle aventure parce qu'il y a une quantité de choses merveilleuses à voir déjà dans les monuments d'Égypte. Et ensuite, à partir de Louxor, on a traversé le désert qui est d'abord d'une couleur jaune paille à partir de la vallée du Nil. Et au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans le désert, le sable devient de plus en plus rouge et finalement il devient rouge foncé. Et à 50 km de la mer Rouge, il est carrément violet. C'est un désert de sable violet. Et ça, c'était assez fabuleux de faire cette expérience, cette traversée avec des sables de différentes couleurs jusqu'à la mer Rouge. Alors, suite au voyage d'Égypte, j'ai fait cette aquarelle parce que c'est une vision qui existait sur place. Et il me semblait que ça exprimait toute la cruauté du désert. C'est-à-dire que le désert est impitoyable, on vit ou on crève. Et alors la convulsion de ce chameau qui conduit vers des pierres qui ont un aspect cruel et qui conduit dans une perspective aérienne jusque vers un horizon qui est sans espoir. Alors l'aquarelle elle-même, elle est un peu symbolique par rapport à cette idée. Et alors voilà ce sable violet que j'ai décrit tout à l'heure qui se trouve dans la partie entre Louxor et la mer Rouge, mais plus près de la mer Rouge. Alors un jour, j'ai décidé de partir pour faire un voyage jusqu'en Turquie en Vespa. Alors j'ai aménagé ma Vespa
avec tout le nécessaire pour faire le camping, la chasse sous-marine, les photos. Et puis je suis parti de Genève à travers toute l'Italie jusqu'à Brindisi. Et j'ai embarqué à Brindisi pour Patras. Ensuite, j'étais en direction du canal de Corinthe. Et là, il y avait eu un tremblement de terre et la route asphaltée était coupée nette au bord du canal de Corinthe. Et j'ai failli passer dedans parce que je me suis arrêté par hasard à peu près 50 mètres avant. Et on ne voyait pas le canal à ce moment-là parce que la route montait très légèrement. Et je voyais le paysage qui était déjà de l'autre côté du canal de Corinthe. Mais en montant sur une colline à côté, j'ai vu que tout d'un coup, l'asphalte de la route était coupé net, il y avait 80 mètres à pic dans le canal. Alors voilà, c'était ma chance de ne pas avoir continué à rouler à toute vitesse sur cette route. Ensuite, plus loin, il y a eu des tremblements de terre, la route s'est fissurée, j'ai fait quelques photos, toutes les maisons étaient complètement effondrées. J'ai envoyé deux photos à la tribune de Genève à l'époque. Dès que j'ai trouvé une ville, naturellement, où c'était possible d'expédier quelque chose. Alors, pour aller au Mont Athos, j'ai posé ma Vespa dans le dernier petit village avant de prendre les sentiers qui conduisent dans le Mont Athos. On est obligé d'y aller à pied, il n'y a absolument aucun véhicule. Et les moines qui vivent là-bas vivent d'une manière très sommaire. Il y a aussi l'interdiction aux femmes d'aller là-bas, y compris les animaux féminins. Ils n'ont pas de chèvres, par exemple. Et puis, il n'y a personne qui fait de la chasse sous-marine là-bas. Alors un jour, j'ai été dans une crique, j'ai fait de la chasse sous-marine, j'ai ramené passablement de poissons, tout heureux de pouvoir nourrir les quelques moines qui étaient là. Et alors, ils m'ont rôti ces poissons, ils m'ont amené un grand plat devant moi, ils m'ont dit « voilà ». Avec beaucoup de gentillesse, mais eux n'avaient pas le droit d'y toucher parce que dans leur régime alimentaire, il y a beaucoup d'interdictions. C'est ceux, je crois que c'est la, sauf erreur, ça s'appelle les cénobites, cette catégorie de moines. Et j'ai pu parcourir un peu tous les monastères du Mont Athos grâce à une autorisation que j'ai reçue en allant au centre du Mont Athos. Alors il y a 8 moines qui doivent signer un papier timbré et à ce moment-là on a le droit d'aller dans chaque monastère. On peut y rester pendant 2 ou 3 jours au maximum, mais on est nourri et logé, c'est-à-dire la nourriture qu'ils mangent eux-mêmes. Naturellement c'est très, très rudimentaire, mais ça fait rien. C'était tellement passionnant de visiter toute cette région, de voir aussi les bords de mer, la nature fantastique du Mont Athos qui est très chaotique, et de voir comment vivent ces moines. Il y a aussi des artistes moines qui font des icônes, il y a de ceux qui les recopient, il y a de ceux qui en font vraiment, et il paraît qu'il y a, je ne sais plus combien de temps, peut-être une centaine d'années, les monastères étaient peuplés par 2000 moines, mais quand j'y étais, il n'y en avait plus qu'une cinquantaine. Si bien que le monastère était passablement délabré, ma chambre donnait sur la mer, sur une espèce de balcon habité, soutenu avec des petites poutrelles un peu pourries, et le plancher avait un espace à travers lequel, depuis mon lit, je voyais les vagues de la mer se jeter contre les rochers en bas du monastère. Alors évidemment, j'ai pas très très bien dormi, mais enfin c'était quand même très passionnant de vivre ça. Ma première joie, c'est d'avoir une commande d'une édition qui faisait des cartes postales. Et cette édition m'a envoyé à Annecy pour faire une série de cartes postales autour du lac d'Annecy. Et comme c'était après la guerre, la frontière n'était pas encore ouverte, j'ai obtenu un visa pour avoir le droit de rester en France pendant, je ne me souviens plus, 15 jours, 3 semaines, mais c'était quand même limité. Alors quand j'ai fini de faire mes aquarelles autour du lac d'Annecy, comme je suis un peu aventurier, j'ai sauté dans un train qui allait sur Paris. Et à l'époque, les trains avaient la plupart du temps les vitres cassées, qui étaient remplacées par des plaques de bois ou bien des morceaux de carton ou du papier. C'était un voyage qui a duré, je pense, à peu près 12 heures de temps pour arriver à Paris. Et ensuite de Paris, j'ai eu envie d'aller jusqu'en Normandie, là où il y a eu le débarquement. Et il y avait des traces du débarquement sur la plage, il y avait encore des chars blindés, il y avait toutes les maisons à Dieppe qui étaient détruites par les bombardements.
Et j'ai fait encore quelques aquarelles là-bas avant que mon visa se termine. Et c'était un petit peu le début du goût de l'aventure, mais que j'ai eu quand même dès ma première jeunesse. Parce que partout où j'allais dans la nature, j'avais envie d'aller voir plus loin. Je ne me contentais pas de rester à un endroit au soleil, il fallait toujours que j'aille voir derrière la colline, de l'autre côté la forêt, ou bien passer par-dessus un rocher pour voir ce qui se passe derrière. C'était un petit peu un virus comme l'aquarelle, c'est l'aventure. Voici un pilotis que j'ai trouvé dans le lac Léman, il y a un certain nombre d'années déjà. Je crois que c'est un pilotis qui date de l'époque lacustre, c'est-à-dire environ 3000 ans. Et pour le sortir, j'ai plongé, j'ai dû creuser parce que cette partie-là était au niveau du fond du lac. Toute la partie a été prise dans de la glaise et c'est cette partie qui a été conservée. On voit encore les coups de hache de l'époque. Et la partie en dessus, c'est la partie qui a été érodée, qui devait avoir probablement encore 3 ou 4 mètres de plus de hauteur. Une autre trouvaille, c'est une mâchoire de baleine qui devait faire aux environs de 40 tonnes. Je l'ai trouvée en Méditerranée, en faisant de la plongée sous-marine. Elle était à un fond pas très profond, aux environs de 6 mètres de fond. Et là aussi, j'ai dû creuser autour parce qu'elle était un petit peu prise dans le sable du fond. Et puis finalement, au bout d'une journée, en marchant au fond de la mer et en la portant au fond, j'ai réussi à la tirer jusqu'au bord. Et ensuite, j'ai été acheter une corde pour la transporter sur le toit de la voiture. C'est une de ces petites trouvailles que j'aime bien quand je me balade dans la nature. Alors ici, c'est probablement des traces de harpons. Ça doit être des coupures d'une hélice de bateau. Et ces trous-là, c'est les vaisseaux sanguins qui passent là-dedans. Et normalement, les fanons de la baleine doivent se situer par là, le long de cette côte-là. C'est la partie supérieure d'une mâchoire. Alors là, il y a un morceau de bois silicifié que j'ai trouvé dans le Sahara, dans une région totalement désertique. Et ce bois silicifié, c'est un morceau de cyprès qui date d'il y a environ 400 000 ans. À cette époque-là, il y avait des lagunes dans le Sahara et les arbres qui bordaient la lagune sont tombés dans l'eau. L'eau contenant du silice a remplacé toutes les fibres du bois, si bien que maintenant c'est de la pierre, du silice pur, total. Alors, à part ça, il y a des pierres que j'ai trouvées dans différentes régions. Il y a une partie de fossiles d'ammonites trouvées dans une falaise à Ibiza. Il y a du sable du sud de la France, là où il y a les mines d'ocre anciennement. Il y a une pierre que j'ai trouvée dans le Valais, en dessous d'un sommet qui s'appelle la Serranère. C'est un peu en dessous des Auders. Et en dessous de ce sommet, il y a un éboulis. Et là, on trouve ces pierres tout à fait lisses qui sont de la serpentine. Il y a une autre pierre à côté qui vient d'Égypte, c'est de l'agate. Il y a de la chalcédoine aussi qui est un peu rouge. À part ça, il y a du quartz. Et puis, il y a un morceau de corail fossile aussi. Et à côté, il y a une boussole qui fait partie un peu de l'histoire de la guerre en Cyrénaïque, à l'époque, quand il y avait la guerre entre les Allemands, les Anglais. Et cette ancienne boussole a été trouvée sur un officier qui est mort pendant la guerre là-bas. Et moi, j'ai pu l'avoir avec un guide libyen qui était dans la région et qui l'a échangée contre une boussole suisse. À mon avis, c'était une très bonne affaire pour moi parce que cette boussole-là a toute une histoire. Alors, ces deux statuettes qui sont dans le coin, c'est des statuettes que j'ai ramenées d'Afrique noire, du Togo. Une, c'est Sénoufo, l'autre, c'est un Xanti, c'est une statuette de fécondation comme symbole. Et puis, à part ça, il y a encore une petite statuette qui vient en plein centre de la brousse. Je l'ai achetée sur un marché qui n'a rien à voir avec le tourisme et qui est un symbole du dieu du tonnerre. Il y a des petites fioles qui sont ligaturées autour
Et dans ces petites fioles, il y a des poudres. Il y a une poudre qui rend fou, il y a une poudre qui est un antidote, et puis la troisième, je crois que ça doit être une poudre aphrodisiaque. Mais j'en suis pas très sûr parce que je l'ai emmenée une fois au musée d'ethnographie, et le monsieur qui devait s'occuper de ça s'est cassé une jambe, et puis finalement, après, j'ai dû m'occuper d'une exposition et j'ai plus eu l'occasion de faire analyser ces poudres. Alors cette œuvre, enfin, c'est pas une œuvre, c'est simplement un dessin d'encre de Chine aquarellé. Je l'ai faite parce que souvent on m'a demandé comment m'est venue l'idée de faire de l'aquarelle. Alors souvent pour plaisanter, je dis, ben, j'ai attrapé le virus de l'aquarelle. Alors c'est un peu le symbole de ça. Alors là, c'était plutôt une idée un peu loufoque, qui symbolise, si on veut, l'atelier d'horlogerie à l'heure de le faux plat. Et j'ai fait ça un peu pour sortir de mes aquarelles habituelles, qui sont toujours très figuratives, atmosphériques, alors que là, il s'agit plutôt d'un symbole des pièces d'horlogerie. C'est un jour où j'avais des idées fantaisistes et loufoques. Alors cette aquarelle fait partie d'une époque quand j'allais souvent peindre dans la vieille ville. J'adorais faire les boutiques et un peu le côté croustillant des reflets de vitres et des objets qui sont présentés en vitrine et qui représentent une époque sympathique de la vieille ville. Alors là, j'ai une œuvre qui date de 1972, une œuvre très laide et révolutionnaire parce que j'étais très en colère. La police m'accusait d'être très indiscipliné, mais en fait, ce n'était pas de ma faute. J'avais des amendes tout le temps parce que j'avais un atelier au terreau du temple et je logeais à la rue Valin et j'avais aucun endroit pour mettre ma voiture. Et pendant que je travaillais à mon atelier au cinquième étage, il fallait descendre toutes les heures pour déplacer la voiture, pour remettre des pièces. Et puis par la suite, quand j'ai eu mon studio au quai du Seugey, j'étais plus du tout indiscipliné puisque j'ai plus eu d'amende de stationnement depuis parce que j'ai ma place numérotée dans le sous-sol au quai du Seugey. Alors voilà, c'était cette époque-là et j'ai mis là une photo de moi en Afrique parce que c'est arrivé toutes ces amendes à mon retour d'Afrique, ça faisait un contraste immense entre la civilisation totalement encombrée et puis la place énorme qu'il y a en Afrique pour s'arrêter n'importe où, il n'y a pas de parcomètre. Alors ça fait en somme cette contraste de civilisation qui est difficile à supporter quand on revient d'un pays sauvage où il y a tout l'espace qu'on veut. Et alors j'y ai mis un pinceau qui est le symbole de ma peinture. Une croix, parce que à cette époque-là, je me posais la question, est-ce qu'il faut me suicider ou me révolter? Alors je me suis révolté sur un morceau de carton, et ça n'a pas fait trop de dégâts comme ça. J'ai fait cette fresque en 1957, je crois, c'est ça, oui. Alors la technique, c'est le sgraffito, c'est-à-dire qu'il y a une première couche de ciment blanc sur tout le panneau jusqu'en haut, une deuxième couche pendant que la première est encore un peu humide, deuxième couche en ciment gris, et ensuite, après une attente peut-être d'une demi-heure ou une heure, une troisième couche en juracite noir. C'est donc du ciment noir mélangé avec du sable. Et quand le panneau est entièrement noir, j'ai gravé dedans avec des ressorts de réveil. J'ai pris un ressort de réveil que j'ai retourné en forme de boucle en mettant les deux bouts dans un manche en bois. Et ça fait une espèce de racloir. On en voit donc la trace dans les reliefs, par exemple ici.
Là, on voit assez bien parce qu'il y a un petit peu de lumière frisante. Et pour les pointes, avec simplement un couteau à peler les patates. Alors cette fresque me fait plaisir parce que je vois qu'après presque un demi-siècle, elle existe encore, en bon état, pas abîmée par les voyous qui sprayent les murs. Et je crois que c'est assez rare aujourd'hui. Bonjour l'oiseau, il y a longtemps que je t'ai pas vu, toi. L'autre est son bec pointu. Ah, puis il y en a un autre en haut, là, en plein vol. C'est ce suissaire, là. Ah, celui-là, il est un peu exotique. Ça, c'est le goût des voyages, là, qui rentre en jeu avec la végétation un petit peu tropicale et un oiseau des tropiques. Qui a voyagé, qui est venu se poser là en Suisse, puis il est resté là pendant combien de temps? 48 ans, je crois, à peu près. Depuis très longtemps, j'aime beaucoup la photographie, surtout dans les voyages. Alors en voilà une, dans une caverne volcanique, dans les îles Canaries, avec le soleil qui se diffuse en étoiles dans une fissure. C'est une époque que j'aime bien parce que j'étais disponible pratiquement tous les jours, soit pour peindre, soit pour photographier. Et je suis resté pendant 6 mois dans les îles Canaries. Alors j'aime cette photo aussi par le fait qu'il y a un événement qui se passe. Et en même temps, cet événement qui est partiellement en mouvement se présente sur un fond qui est dans l'ombre. Et dans une ombre qui n'est pas totalement noire. Il y a une réflexion un peu de la route sur la muraille. Et une troisième, toujours en noir et blanc, qui représente un petit peu le labeur de la femme qui est obligée de travailler encore pendant la nuit pour vendre quelques cacahuètes et qui finalement tombe de sommeil et d'épuisement sur son banc de vente. Avec un éclairage au carbure en plus. Alors là, je vous montre une photo qui est assez récente. C'est ma compagne. Je suis souvent parti en voyage avec elle. Et j'aime cette photo parce que c'est aussi un instant assez privilégié quand on voit la longueur de la langue de la girafe et son œil de biche énorme qui marque presque un sentiment de la girafe vis-à-vis à ma compagne en tant qu'être humain. Et puis je dois dire, c'est très réciproque parce qu'elle adore les animaux. Et faire des photos, soit des sujets, soit des atmosphères, un petit peu en parallèle avec l'aquarelle si on veut. Parce que je n'ai pas cherché à faire des performances photographiques, c'était plutôt la photo en tant que document d'une chose qui me plaît ou qui m'intéresse ou saisir un instant. C'est l'amour de la nature, en somme, qui m'a conduit soit dans la photo, soit dans la peinture. Alors j'ai sous les yeux un petit texte complètement loufoque que j'ai écrit un jour d'insomnie en pensant aux critiques d'art sur des œuvres totalement vides. On peut imaginer quelque chose et on pourrait faire la démarche inverse à propos d'avant-garde, c'est-à-dire écrire une critique et puis ensuite créer l'œuvre d'après la critique. Alors, je vais vous lire ma critique, mais qui est complètement loufoque. C'est la création d'une critique imaginaire, n'importe quoi, œuvre virtuelle. Le subconscient inversé dû à l'interférence des molécules bleues de l'univers transcendant du génie qu'est ce peintre de la iconographie, subdivisé en 3 groupes. Premièrement, la iconographie à particules moléculaires bleues de tendance sinistre lorsque l'humeur est dominée par les neutrons. Deuxièmement, la iconographie à particules coniques de couleur rose nacrée propulsant des rayons convergents vers un centre duquel l'œil gauche
infailliblement capté, ne peut plus se détacher. Troisièmement, l'iconographie à cylindre creux, mais obstruée par la matière première, qui peut être indifféremment formée de résidus de pilules ou de résidus humains, suivant quelle est la pulsion de l'artiste au moment de la création, qui doit être choisie dans un instant où le subconscient rejoint la transcendance de toute origine. Étant donné les composants de ces trois groupes, il est autorisé de croire que toutes les combinaisons actives ou inactives deviennent possibles et que l'introspection dans le domaine de notre être intérieur, informé de l'extérieur d'une part par l'œil gauche en ce qui concerne la moitié de notre organisme et d'autre part l'œil droit qui, plus intransigeant, ne nous laisse toutefois apparaître que le 87,5% du réel visible. En tenant compte de la complexité de ces découvertes récentes, l'artiste s'est fixé pour but d'inciter les spectateurs de ses œuvres à faire, sans s'en rendre compte, des oscillations de tête allant de 5 à 8 degrés selon le potentiel de contre-courant statique. Voilà, ma démarche est de considérer l'invention d'une critique comme point de départ d'une œuvre n'existant pas encore. À partir de n'importe quoi, faire quelque chose. Voilà le but. Voilà ma première aquarelle. Celle-ci, je l'ai peinte à l'âge de 7 ans, dans la campagne à Asnières. Alors, ce qui est curieux, c'est que à cette époque-là, les petits camarades faisaient des dessins presque toujours avec des maisons, avec les toits rouges, le ciel bleu, parce que la maîtresse d'école disait « le ciel est bleu, les toits sont rouges ». Et moi, je partais dans la nature, j'étais très solitaire, et puis j'ai fait cette aquarelle comme je l'ai ressentie au moment de la faire. Alors, l'aquarelle, dans le fond, c'était ma passion depuis l'âge de 7 ans. Et j'ai décidé, quand j'avais 14 ans, de faire ma carrière d'aquarelliste. Parce qu'à cette époque-là, je regardais souvent des illustrations où il y avait des reproductions de peinture et d'aquarelles. Et il y avait plusieurs fois des aquarelles de Turner. Et quand j'ai vu ça, ces aquarelles de Turner, je me sentais totalement en parenté spirituelle avec Turner. Il me semblait que je devais le connaître, que je ressentais la nature comme lui, et puis le côté pictural aussi, la manière de traiter l'aquarelle, la manière de composer une page. Et à 14 ans, j'ai dit à mon père, qui m'a fait faire un apprentissage de peintre en lettres, je lui ai dit, quand j'aurai 20 ans, je serai aquarelliste. Alors j'ai suivi mon programme et voilà, je suis encore, j'ai bientôt 80 ans. Voilà, alors je vous montre par contraste une peinture à l'huile, parce que j'ai pendant un certain temps aussi peint à l'huile. C'est le portrait de mon père que j'ai fait à peu près une année avant son décès. Alors j'ai peint des toiles pendant, je crois, à peu près une vingtaine ou une trentaine d'années. Et après, avec les voyages, j'ai toujours fait que de l'aquarelle jusqu'à ma dernière exposition. Alors ce petit portrait, je l'ai fait un peu par hasard parce que en allant dans une entreprise où j'achetais des matériaux, cette jeune fille souvent me parlait de peinture et un jour elle m'a dit « un peintre a voulu faire mon portrait et il ne l'a jamais fait ». Alors je lui ai dit « bon, moi je vais faire votre portrait ». Et puis elle est venue poser plusieurs fois, alors voilà, c'est comme ça que ce portrait est né. Quelque chose de totalement différent. C'est dans le village de Findelen, en dessous de Zermatt. J'ai souvent été peindre là-bas. Et à l'époque, quand j'étais plus jeune, entre 20 et 30 ans, quand j'allais peindre à Zermatt, j'ai rencontré une fois un hôtelier qui a commencé à m'acheter mes aquarelles. Et puis finalement, on est devenus amis. Et j'allais très souvent, en échange d'une aquarelle, il me donnait 15 jours de pension. Alors c'est une période aussi de ma vie, mais qui était très agréable. Je pouvais travailler sans souci. Pour exprimer des sapins, c'est une chose assez difficile en aquarelle. Parce qu'on a la tendance ou bien de passer sur l'abstraction, ou alors de faire quelque chose qui est tellement pétouillé que les sapins deviennent ennuyeux. Alors j'ai essayé de faire quelque chose qui est surtout dans la fraîcheur et la liberté d'expression. Ça, c'est une aquarelle un peu spéciale qui m'avait été commandée, alors qu'en principe, j'aime pas tellement les commandes,
mais c'était un très bon client japonais. Je pense qu'il a dû passer un certain nombre de jours sur ce bateau. Et ce qui est malheureux, c'est que le client est décédé avant de prendre livraison de l'aquarelle. Un portrait de Touareg. J'ai beaucoup aimé peindre le Sahara aussi pour ses paysages horizontalité qui font contraste avec New York où tout est en verticalité. Et les gratte-ciels ont l'air des quartz presque à New York. C'est une attitude de Touareg quand il sert son thé vert. Et il y a un geste qui est très élégant quand il lève le bras. Alors voilà une toile qui est née par hasard. Au moment du décès de ma mère, il y avait un carton de dentelle dans ses affaires et je ne savais pas qu'en faire, je l'ai jeté à la poubelle. Et puis réflexion faite, ces dentelles m'ont rappelé un peu les paysages de Venise. Je l'ai ressorti, j'en ai fait ce tableau avec la dentelle collée et la peinture à l'huile pour ce qui concerne le portrait. Alors là, ça représente le palais des Doges. Ici, les palais qui sont sur le canal, symbole de l'eau et un petit pont sur le canal. Un nu qui exprime bien la joie qu'il peut y avoir de pouvoir s'étendre dans l'herbe au mois de juin, juillet. Une aquarelle d'Égypte où le moyen d'expression est un peu différent, c'est un peu synthétisé, avec le côté linéaire qui joue avec la couleur. Alors là, c'était tout d'un coup l'envie de faire une petite chose abstraite. Ça m'a intéressé d'aller dans ce sens-là. Mais j'ai fait très peu d'abstraction parce que j'estimais que la plupart des galeries présentent déjà des peintres abstraits. Et l'abstraction a commencé à l'époque de Duchamp, c'est-à-dire en 1923, par là. Et puis, il y a un consensus intellectuel qui fait que l'abstraction, on se doit d'être abstrait, sinon on a peur d'être figuratif. Mais ça ne me fait pas peur parce que les époques changent, les époques passent, les modes de l'entendement intellectuel changent aussi. Donc c'était un essai et puis à mon avis ce qui est plus important c'est d'arriver à une certaine qualité dans ce qu'on fait, mais pas forcément une direction obligatoire à prendre parce qu'il se doit que. Et c'est pour ça que j'ai fait de temps en temps des essais comme ça en dehors de mes aquarelles. Alors voilà, ça c'est ma dernière aquarelle du mois de mars au bord du lac, quand le lac est très très calme du côté de la baie d'Exenvey. Il y a un rocher solitaire avec un héron solitaire dessus qui est bien sage. Et c'est un paysage de relaxation qui est très bien quand on est un peu nerveux. Et c'est une chose que j'aime assez bien faire parce que ça enlève le stress qu'on a en soi. Voilà le tableau préféré de mon épouse. C'est un des tout premiers que nous avons acheté dans l'atelier d'Hélice. Je ne sais toujours pas pourquoi il nous l'a vendu, parce qu'il n'aime pas vendre les œuvres qu'il préfère. Donc, je crois que c'était déjà le début de notre relation amicale et c'est la base de ma collection. Voilà le tableau qui est à la base de notre connaissance d'Hélice. En 1985, nous avons cherché pour le livre du centenaire du Genève Natation une illustration, une image. Et là, le journaliste qui nous a aidé à écrire ce livre nous a recommandé Hélice Spinden parce que lui, il était le peintre, à son avis, qui était le mieux apte à répondre à notre désir. Voilà le livre du centenaire. C'était un très grand succès. Nous avons fait une lithographie après qui s'est vendue très très bien et qui nous a permis finalement de faire connaître Hélice encore un peu plus loin par des gens qui ne le connaissaient pas avant. Voilà deux tableaux de la période du Sahara d'Hélice. Je me sens privilégié de les posséder. Malheureusement, je n'ai pas pu acquérir le Touareg
le fameux. Et j'ai marqué mon nom derrière pour un jour pouvoir l'acheter. Mais malheureusement aussi, je suis en 10e position. Alors je ne crois pas que je l'aurai un jour. Ce Touareg, je le possède quand même, mais en format réduit. Mais il fait quand même beaucoup de plaisir de l'avoir. Voilà mon tableau préféré. Je pense qu'il exprime le plus l'immense talent d'artiste d'Hélice. Je le regarde tous les jours de mon pupitre de travail et tous les jours depuis des années j'ai du plaisir à le regarder. Alors voilà un calendrier qui vient de sortir à l'occasion de mon exposition du mois de novembre. Et le résultat est assez satisfaisant, disons l'imprimeur a bien travaillé. En même temps, je vous présente la dame que vous avez vue sur la photo avec la girafe. C'est ma fidèle compagne depuis de nombreuses années et qui m'aide souvent dans mes expositions au point de vue d'organisation, relations publiques. Et on a fait un bout de chemin ensemble et pas mal de voyages aussi. Et celui-ci là, d'accord. Ah oui, voilà une aquarelle que j'ai faite au phare de Cordouan. C'est le jour où j'ai failli m'enliser dans les sables mouvants là-bas. Et ma compagne était à ce moment-là à 500 mètres de là en train de faire des photos. Et puis en traversant une gouille, je me suis enfoncé d'un seul coup jusqu'aux cuisses. Et alors je me suis jeté sur le côté avec mon appareil de photo. Et mes jambes sont sorties des bottes. Et puis, heureusement que j'ai pu m'en tirer, parce que c'était juste une demi-heure avant que la marée monte. Et puis, elle n'avait rien vu de tout ça, parce qu'elle était à 500 mètres plus loin, en train de faire des photos. Enfin, voilà, c'est l'aventure d'une des images du calendrier. On a vécu beaucoup de choses ensemble dans les voyages. Sri Lanka aussi. Et alors, derrière, c'est une aquarelle, mais vraiment imaginaire, de la sortie d'un volcan sur l'océan. C'est quelque chose de très explosif, qui est en rapport un peu avec l'histoire terrestre, la minceur de l'écorce terrestre et puis la pollution naturelle qui se fait aussi par les volcans. Heureusement, nous, on n'est pas pollués les deux.